L'instruction engagée contre Naïma Sali. Nouveau scandale au sein des services de la police de l'aéroport d'Alger. Le patron de l'Office anticorruption dépassé. L'Algérie au bord d'une crise financière aiguë. Amnesty International réclame la libération des détenus. Incitation à la haine. L'instruction engagée contre Naïma Sali. Les autorités judiciaires ont engagé la procédure d'instruction à l'égard de la députée Naïma Sali, visée par des plaintes pour incitation à la haine raciale et appel au meurtre, ont indiqué ce jeudi dans un communiqué les avocats, Maître Salim Chaït, Kader Ali, et Sofiane Decal. Après plus de huit mois d'attente où notre plainte était perdue entre deux juridictions. L'instruction est enfin engagée contre cette délinquante politique qui ne cesse de faire parler d'elle malgré la fermeture de ces deux pages officielles, écrivent les trois avocats. Convoqués le 3 mars, les deux avocats, Maître Wali et Salim Chaïte se sont présentés ce jeudi devant la brigade de recherche du groupement de gendarmerie de Choraga, ouest d'Alger pour se voir informer que le motif de leur convocation est en rapport avec la plainte déposée contre la présidente du parti pour l'équité et la proclamation PEP pour incitation à la haine raciale et appel au meurtre via sa page officielle Facebook à travers des vidéos et des publications. Après avoir vérifié notre filiation, un officier nous a entendu et nous avons rappelé les faits reprochés à la mise en cause. Comme mentionné dans notre plainte déposée, faut-il rappeler le 9 juin 2019 au niveau du tribunal de Boumerdès, écrivent-ils. Nous souhaiterions que la procédure se poursuive pour aboutir à un procès que nous espérons équitable. Nous tenons à rappeler que le racisme n'est pas une opinion, mais un délit passible de justice et nous ne ménagerons aucun effort pour en traduire les promoteurs devant les tribunaux, soutiennent-ils. Dans de récents communiqués, ces avocats se sont interrogés si la députée Visée par plusieurs plaintes après ces attaques répétées, dans la foulée des événements qui secouent le pays, contre particulièrement les habitants de la région de Kabylie, n'était pas protégé. Cette instruction intervient alors que le Parlement s'apprête à débattre du projet de loi, récemment adopté par le Conseil des ministres, contre la haine et la discrimination. Nouveau scandale au sein des services de la police de l'aéroport d'Alger. Algérie Parmène de nouvelles investigations sur un nouveau scandale qui ébranle les services de la police à l'aéroport d'Alger. Et c'est encore un certain commissaire divisionnaire Omar Bacha, le premier responsable de la police de l'aéroport international d'Alger, qui joue les premiers rôles dans ce scandale en compagnie d'une officière, la commissaire Soussen. La responsable de la sécurité de la zone fret de l'aéroport d'Alger. Justement, c'est dans cette zone qu'intervient un large et illégal trafic de passes d'accès. Nous avons pu apprendre au cours de nos investigations que des opérateurs privés donnent des pots de vin à Omar Bacha et la commissaire Soussène pour obtenir des passes d'accès, qui leur permettent d'entrer avec leurs camions ou fourgon jusqu'à la zone de fret, et transporter ainsi des marchandises importées depuis l'étranger. Les passes d'accès à la zone fret sont régies par une réglementation très stricte. Et il est interdit d'autoriser quiconque de pénétrer cette zone sensible de l'aéroport d'Alger. Mais Omar Bacha et la commissaire Soussaine réclament entre 10 000 dinars et 20 000 dinars à chaque opérateur privé pour lui faciliter l'accès à la zone de fret. Des sommes considérables sont distribuées chaque jour aux officiers de la DGNS, impliqués dans ces opérations scabreuses. Des pratiques de corruption scandaleuses qui sont étouffées en toute discrétion par les hauts responsables de la DGSN, notamment Mohamed Nouissifi, l'actuel patron de la police aux frontières, PAF, qui couvre directement les agissements mafieux de Omar Bacha avec la complicité du patron de la DGSN, Khalifa Enissi. Algérie par promet de revenir prochainement sur ce scandale avec de nouvelles révélations et documents exclusifs. L'aveu d'impuissance du patron de l'Office anti-corruption La corruption a connu une tendance haussière qui rend difficile les efforts de lutte contre ce phénomène, a avoué ce mercredi le directeur de l'Office central de la répression de la corruption, OCRC, Mokhtar Laghdari. La lutte contre la corruption n'est pas chose nouvelle mais elle était un leitmotiv accompagnant toutes les mutations politiques qu'a connues l'Algérie depuis l'indépendance. Toutefois, la réalité démontre que celle-ci a connu une tendance haussière et nous n'avons pas réussi à y mettre fin, a fait savoir M. Lagdari, selon le compte rendu de l'agence officielle. Il s'exprimait à l'occasion d'un atelier interactif sur l'impact de la corruption sur l'exercice des droits de l'homme, organisé par le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, et l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption en collaboration avec l'Organisation internationale de la réforme pénale pour la région MENA. Il est impératif de s'appuyer sur deux éléments essentiels en vue de lutter contre la corruption, à savoir accorder une attention particulière à la revendication populaire, de laquelle est issue une volonté politique exprimée dans le discours officiel, et considérer la corruption comme une attitude individuelle et non un dysfonctionnement institutionnel, a-t-il ajouté. Présent à cette rencontre, le médiateur de la République Karim Younes a précisé que l'instance qu'il supervise a pour mission de proposer les mesures permettant de lutter contre la bureaucratie et toute forme d'abus, soulignant que son instance recevra les plaintes concernant des affaires de corruption administrative, et notifiera aux instances concernées les mesures à prendre dans pareil cas. L'Algérie nouvelle à laquelle l'on aspire est une Algérie où aucune place n'est accordée à la corruption qui sera combattue avec fermeté. A promis M. Younes. Il a assuré la poursuite de la lutte contre ce fléau qui sera au cœur du projet politique du président de la République, et ce, en vue de parvenir à la moralisation de la vie politique et relancer le développement socio-économique dans un environnement transparent et probe, et partant, ajoute M. Younes, rétablir la confiance et la cohésion entre le citoyen et son État soulignant que la corruption administrative pèse désormais lourdement sur le citoyen, M. Younes a rappelé la raison pour laquelle le Président de la République a créé, le 17 février, l'instance du médiateur de la République, mettant en exergue le rôle qui lui a été confié, notamment la lutte contre la corruption dans les milieux de l'administration centrale et locale, les structures publiques, ainsi qu'au sein du secteur privé assurant des prestations de services publics. L'Algérie au bord d'une crise financière aiguë La situation financière de l'Algérie ne cesse de se dégrader ces dernières semaines. En effet, les déficits s'aggravent à cause de la chute des prix du pétrole dû à la propagation du coronavirus. Ainsi, les espoirs d'une relance économique prochaine se voient réduits, et la priorité devient celle de colmater les brèches. Cette situation qui prend en otage tout un pays à cause de la dépendance aux rentes pétrolières, devient inquiétante. La menace de l'effondrement du marché est toujours présente malgré les espoirs suscités par la Réunion, ce vendredi, des membres de l'OPEP pour réduire leur production. La baisse de la demande étant surtout liée à la stagnation de l'économie mondiale, la réduction des quotas ne pourra avoir d'effet que sur le court terme, et ne pourra juguler la chute des prix qui s'installent dans la durée. Ainsi, l'effet papillon du coronavirus se confirme. Il déstabilise l'économie mondiale et, par ricochet, l'économie algérienne, indépendante presque exclusivement aux hydrocarbures. Les recettes en devises diminuent sans que des solutions ne soient proposées par un gouvernement qui se restreint à de petites mesures populistes pour calmer les tensions sociales. Ce manque à gagner, dû à la chute des prix du pétrole, met sérieusement la trésorerie du pays en danger. La crise financière s'annonce sévère et inexorable avec d'énormes déficits dans le budget de l'État, déjà en difficulté avec un pétrole à 60 dollars. Quelle solution s'offre au gouvernement? Cette crise aiguë, comparable à celle de 2017, n'offre pas beaucoup de choix au gouvernement. Ce dernier sera obligé de faire appel au financement non conventionnel, qui avait été décrété comme incontournable pour honorer les engagements financiers de l'État, il y a deux ans de cela. Cette mesure impopulaire, qui risque de dévaloriser davantage la monnaie nationale et d'augmenter le taux d'inflation, ne fera qu'accentuer la crise politique que traverse le pays et fragiliser un gouvernement déjà décrié. L'autre option qui s'offre aux décideurs serait de faire appel aux institutions financières internationales, telles que la Banque mondiale, et le Fonds monétaire international pour des crédits. Cette option aussi ne ferait pas l'unanimité au sein des populations. Elle rappelle un épisode lors duquel le secteur public national a été détruit avec, comme conséquence, plus d'un million de postes d'emploi perdus. Amnesty International réclame la libération des manifestants détenus arbitrairement en Algérie. Les autorités algériennes doivent libérer immédiatement et sans condition tous les manifestantes pacifiques arrêtés uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, a déclaré Amnesty dans un communiqué, publié ce vendredi 6 mars. Amnesty affirme qu'au lendemain de l'élection présidentielle du 12 décembre, au moins 76 personnes ont été arrêtées de manière arbitraire dans le cadre d'une vague d'interpellations menées par les autorités. Des militants de la société civile, des journalistes et des leaders politiques comptent parmi ceux qui sont inculpés de diverses charges fondées sur des infractions figurant dans le Code pénal, notamment attroupement non armé, atteinte à la sécurité nationale, atteinte au moral de l'armée et outrage à des fonctionnaires, précise l'ONG de défense des droits de l'homme. Le recours à des accusations forgées de toutes pièces en lien avec la sécurité nationale et l'armée est particulièrement scandaleux a déclaré Philippe Lutet, directeur des recherches et des actions de plaidoyer pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International, cité dans le communiqué. Amnesty International ajoute que depuis février 2019, le nombre total de poursuites engagées contre des manifestants pacifiques a dépassé 1400, selon les organisations locales de défense des droits humains, et les avocats qui observent la situation sur le terrain. Amnesty International dit suivre le procès de plusieurs manifestants, dont ceux du leader politique Karim Tabou, et du président de l'association de la société civile, Rassemblement Action Jeunesse, Raj, Abdeloua Abfersaoui. Ce dernier a été arrêté le 10 octobre 2019 à Alger et est détenu à la prison d'El Arrache. Il doit être jugé pour incitation à la violence et atteinte à la sécurité nationale, en raison d'une publication qu'il a postée sur Facebook. Pour Karim Tabou, son procès s'est déroulé mercredi au tribunal de Sidi Mamed, et le verdict sera prononcé le 11 mars. Le procureur a requis quatre ans de prison. Toutes les personnes détenues uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique doivent être libérées immédiatement et sans condition, et toutes les charges retenues contre elles doivent être abandonnées, a réclamé Philippe Luther. Pour lui, Persécuter des manifestants pacifiques n'est certainement pas la réponse qu'attendent les Algériennes et les Algériens qui descendent dans les rues et réclament des réformes de grande envergure. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.